find me before I find you. Salut les amis, bienvenue sur Exomadara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de news sur Apex Legends. Avant tout, je voulais vous prévenir, normalement aujourd'hui je devais sortir la vidéo sur Crypto, sur les origines et son histoire, elle sortira donc demain matin, parce qu'à l'instant il y a un communiqué de chez Respawn Entertainment qui vient de tomber. En effet, tout d'abord, on a eu droit à une petite mise à jour qui vient de nerf le Peacekeeper qui était carrément cheaté depuis quelques temps. Ils ont donc augmenté le temps de chargement de 1,1 à 1,2 et en revanche, ils ont baissé le multiplicateur de headshot de 1,5 à 1,25. Donc clairement, c'est un buff qui va rendre l'arme beaucoup moins cheatée qu'elle l'était ces derniers jours. Et ensuite, une deuxième grosse information, alors là ça va être pas mal, parce qu'au début j'avais relayé ça sur Twitter et en fait on n'avait que quelques visuels, et en fait, ils viennent d'ouvrir le Apex Legends Shop. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plein de t-shirts à acheter avec des designs d'Apex Legends et sur chaque légende. Et franchement, autant ceux que j'avais partagés sur Twitter, ils étaient pas ouf du tout, et là sur le site, il y a des t-shirts qui sont vraiment super sympas. Je vais vous mettre dans le fond de la vidéo rapidement un petit peu un visionnage de cette boutique en général. Vous allez voir, il y a donc une rubrique avec des t-shirts, avec des sweats à capuche. Ensuite, vous avez une rubrique avec des accessoires, avec des chaussettes, des casquettes, des bonnets et même un foulard. Et ensuite, vous avez une rubrique avec des sortes de bouteilles. Donc on a un thermos, des mugs, une bouteille d'eau de sport. Enfin, franchement, c'est sympa, il y a vraiment des trucs cool. Autant il y a des trucs qui sont pas forcément terribles, les prix sont assez nivelés, on trouve des trucs pas chers et des trucs un peu plus chers, mais franchement, moi au niveau des t-shirts, il y a des trucs qui me plaisent, c'est pas impossible que j'achète 2-3 trucs. Alors bien évidemment, les envois se font dans le monde entier, forcément pour les résidents aux États-Unis ce sera beaucoup plus rapide, mais bon voilà, c'est cool, on peut commander de n'importe où. Au niveau des délais de livraison, c'est marqué que pour les États-Unis ça prend à peu près 3 ou 5 jours. En dehors des États-Unis, forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Donc je pense qu'il faut compter quasiment 15 jours à 3 semaines en fonction de là où vous habitez. Pour ma part, je suis content de voir ce Apex Legends Shop ouvrir parce que ça montre que le jeu prend de l'importance, qu'il y a du merchandising tout autour. Et en général, quand il se passe des choses comme ça, ça veut dire que le jeu est en bonne santé et c'est de bon augure pour la suite. Pour l'instant, le mode duo vient de s'éteindre dans le jeu, on va clairement avoir des nouveautés qui devraient arriver d'ici Noël et peut-être dès la semaine prochaine avec le Black Friday, vu qu'il y avait des éléments qui avaient été leakés. Les amis, je vous tiens au courant, dès qu'il y a des informations, vous savez que je serai un des premiers à vous les transmettre, et surtout, je vous demande demain matin de mettre un maximum de likes sur cette vidéo sur crypto, parce que je passe beaucoup de temps sur ces vidéos des histoires des légendes, ça me tient à cœur et j'espère que ça vous fait kiffer. Sur ce, je vous dis à tous un très bon samedi et à très vite demain matin pour une prochaine vidéo.